Alors, je vais juste prévenir sur Twitter. Donc, je saurais pas te dire, tu vois. C'est pas sûr que ça soit gratuit. Splatoon HD face à Disney Dreamlight Valley. Oh, bah, tu sais, ça fait 3 heures de Splatoon déjà. C'est pas mal. Je vais juste faire un petit tweet. Bam, on passe sur. On passe sur Disney Dreamlight Valley. Avant le week-end. Bon, Disney Dreamlight Valley, c'est un jeu très cool qui est disponible en accès anticipé, édité par Gameloft, du coup. Hein, c'est pas un jeu Disney, hein, à proprement parler, mais c'est dans l'univers de Disney. Regardez, j'ai vêtu ma plus belle robe aujourd'hui pour récupérer des carottes. Non, mais on va se changer, hein, c'est pas très pratique comme tenue. Mais c'est une espèce de, ouais, tu vois, un mélange entre un Animal Crossing, un Stardew Valley. Et tu peux décorer ta maison, tu peux faire du house, enfin donc du housing. Tu peux rencontrer des personnages de Disney. Il y a des musiques dans l'univers de Disney. Regardez, j'ai même une robe de bal incroyable. Voilà, tu peux customiser ton personnage, améliorer tes relations avec tes potes dans le jeu, bien sûr. Et ouais, c'est de la frappe. J'adore ce jeu, je le kiffe. C'est vraiment un très bon jeu. Oh là là, j'ai cette robe incroyable aussi. Il n'y a pas de multi, non, pour l'instant. Oh, la belle jupe. Ça, c'est pas très ratus. Ah oui, j'ai eu ça tout à l'heure, le t-shirt Les Mondes de Ralph. Merci Mademoiselle Jack pour le 18e mois. Merci beaucoup. Dis donc, quelle tenue. Bon, vas-y, go, mettre ce... cette tenue-là. Elle est trop belle. Elle nous va bien. En plus, là, il y a eu une mise à jour mercredi. Et il y a aussi une mise à jour... Enfin, il va y avoir aussi une mise à jour d'Halloween. D'ailleurs, on y rejouera à ce moment-là. Ils me responsorisent pour une autre OP sur le jeu pour Halloween. Donc, je suis très contente. Ça fait vraiment plaisir. Alors... Donc voici ma maison. Alors moi je l'ai bien décorée parce qu'en fait comme j'ai l'accès plus de l'accès anticipé. Merci beaucoup Mademoiselle Jack hein, pour ce 18e mois et Agaren pour les 500 bits. Merci beaucoup. Agaren qui a donné 500 bits aussi tout à l'heure. Hein, ça en fait 1000. Lol, je sais compter. Bon ça c'est mon chez moi. Pour le coup c'est plutôt joli parce que comme j'ai droit à l'accès anticipé, j'ai eu le droit à pas mal d'objets très sympas. Mais il y a quand même des objets que j'ai achetés en boutique, genre la petite lampe Ariel qui est juste ici. Ou le comptoir là... Voilà. Ça s'appelle Disney Dreamlight Valley, donc je vous invite à faire point d'exclamation jeu. Je sais pas si... Je sais pas si... S'il y a la mise à jour de la commande, en fait, maintenant que vous le dites. Tant... le jeu me donne envie de faire un tie and die, oui. Ah si, c'est bon, la commande a été mise à jour. Bravo. Bravo les modos. Ça me gratte. Et d'ailleurs, tout à l'heure, j'ai débloqué un nouvel item... alors déjà, j'ai ces petites palmes décoratives, somme toute très sympathiques. Mais au-delà de ça, j'ai débloqué les dessins des îles. Donc c'est les dessins de Maui. Parce qu'en fait, quand t'es ami avec certains personnages, ils finissent par t'offrir des cadeaux. Et donc là, Maui, il m'a donné les dessins de Vaiana. Et j'ai une magnifique couronne d'automne. Regardez, on adore. Voilà, c'est un peu haut, en vrai. Et la suspension céleste. Bon, il y a un peu à boire et à manger dans cette pièce. Mais regardez surtout ce que j'ai débloqué tout à l'heure. Pendant mon call débrief, j'ai débloqué le lit de Belle. Vous rendez-vous compte?
de ces items sublimes. Ça aussi, c'est trop mignon en vrai. La petite fleur là. Pendant le call OMG, j'ai un lit magnifique. Ah bah c'est ce qu'on faisait hier avec Ascali, c'est exactement ce qui se passait. Ouais, on peut l'utiliser. C'est exactement ce qui se passait hier avec Ascali, genre on se racontait nos lives et en même temps je disais oh, je viens d'avoir le lit de Belle. Genre j'espère qu'il y aura du multi sur Disney Dreamlight Valley, comme ça Ascali et moi on fera nos réus à côté de Vaiana. D'ailleurs, aujourd'hui dans le shop, alors sachez que c'est un jeu qui est en temps réel, genre là par exemple il est 17h27, du coup genre ça commence à se coucher, le soleil, tout ça. Mais sachez aussi que... Ouais, hop. De quoi Régie? Pardon. Excuse-moi, je repose ma question, tu aimes bien le mode solo de Splatoon? Ah ouais, il est trop bien. Il est vraiment trop bien. C'est quoi ça? Papier peint à carreaux en diamant, marbre et or. Le mode solo Splatoon est trop cool. Je le trouve très bien pensé et très original. Ça te force à utiliser des armes que tu n'aurais jamais utilisées en temps normal. Enfin, vraiment, il est très cool. Je te le conseille plus que jamais. Vraiment très bien. Je passe un trop bon moment dessus. Regardez, j'ai les bottes de la Reine des Neiges. Enfin, qui viennent de la Reine des Neiges, les bottes d'Anna. Donc, voilà. Désolée, Régie, d'avoir loupé ton message deux fois. Merci à Garen pour les 2000 bits, merci beaucoup, à bientôt. Là, regardez, ça c'est un miroir qui vient du Roi Lion. Et c'est la lampe de la Belle et la Bête. Franchement, c'est vraiment assorti à mon lit, donc je vais l'acheter. Voilà. Donc il y a vraiment les objets. Là, cette veste, elle vient de Ratatouille. Alors au début, je voulais la prendre, enfin le manteau là. Il vient de Ratatouille, au début je voulais le prendre, mais en fait c'est pas un rat qui est dessus, donc je suis un peu déçue. De toute façon, je garde un peu mes sous parce que ça coûte cher en vrai, les meubles et tout quoi. Attends, juste un petit instant. Qu'est-ce qui se passe avec Rayou là? Merci à Griffus Tigron pour le 25e mois. Je comprends pas. Voilà, ça c'est la maison de mes petits personnages. Genre là, c'est la maison de Mickey, etc. T'as des trucs à récupérer. Tu peux être pote avec des personnages de Disney préférés. Et ouais, vraiment, le jeu est très cool. Genre là, j'ai une quête en cours avec Dingo qui veut que je rassemble des matériaux pour réparer le radeau endommagé et découvrir qui a disparu en mer. Et salut Zaza, et du coup, bah genre il faut que je récolte du bois dur et des lingots de fer, et c'est ça que j'ai fait en off en fait. Mickey propriétaire. Exactement. Je suis propriétaire, Mickey est propriétaire. Et en fait tu peux tout customiser dans ce jeu, genre là. Hop, regardez, vous voyez je vais dans meubles. Hop. Et en fait, ici, je me balade comme ça. Et tu vois, si cette planche-là, mise ici, elle me saoule, bah en fait, je l'enlève et je la mets ailleurs, quoi. Si je suis en mode, ouais, non, ici, c'est moche, je veux la mettre ici pour continuer mon petit espace jardin, bah je peux le faire. Salut, Fildrong. Évidemment, tu veux que j'aille le voir? Je vais te le montrer. Tu vois? Tu peux vraiment customiser tout dans ce jeu, quoi. Vraiment, toute la ville, ça paraît même... Je trouve que c'est même vertigineux. Genre, je suis même en mode, wow, je vais jamais arriver à décorer toute ma maison comme ça, quoi. Les gens reprochent à Solari de l'avoir exclu alors que c'est les US qui ont décidé qu'il y aurait un stream par pays. Ah non, mais les gens sont trop débiles, c'est ça le problème. Merci à Griffus Tigron pour le 25e mois. Merci beaucoup.
Étoile ne caste pas le prochain tournoi Smash de Ludwig. En plus, Solary a acheté l'exclusivité des droits de diffusion. Donc, il y a des gens qui font des dramas à dire que Étoile veut pas aller chez Solary parce que ça fera pas de vues sur sa chaîne. D'autres que. Oh, ouais, non, c'est nimp. C'est nimp. Merci, Berzou, pour ce gift à Fildrong. Regarde, Fildrong. Bonjour, Picsou. Oui, je pense que vivre ici est une excellente opportunité. Comment ça va? Regarde, j'ai quelque chose pour toi. Il veut de la citrine brillante, du vert ou une salade verte. Ah bah j'ai ni l'un ni l'autre ni l'autre, donc je vais essayer de trouver ça pour Picsou. Le village est parfait, tu ne trouves pas? Tu sais dont ce village a besoin? Un réservoir d'argent pour que je puisse aller nager dedans. Bah oui, mais on peut pas se le permettre, Picsou. Pas encore, mais quelques décisions futées en affaires, une ou deux aventures audacieuses et tu verras. C'est comme ça que j'ai fait fortune. J'en bâtirai une autre. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Ouais, ouais, au niveau des voix, c'est plutôt fidèle. Hein. Plutôt fidèle. Bah, souvent les voix officielles. Bon, après, par exemple, il y a Scar et le mec qui fait la voix de Scar, il est décédé, donc ce n'est pas possible, mais... Tu es là? Super. Il faut qu'on y aille. Ultia, j'ai une question pour toi. Selon toi, lequel de ces animaux est le meilleur pour la métamorphose? Scarabée furtif, requin redoutable ou fabuleux puissant aigle géant? Le scarabée est trop bien d'être furtif. Il a son utilité, mais tu dois faire attention à toi quand tu es petit. Un poulet pourrait essayer de te manger. Y a pas de quoi. Bonjour. Genre, hey, hey. Donc là, tu vois, il me manque du bois dur et des lingots de fer. Donc ce que je peux faire, au-delà de récup... la quête de Dingo, là. Parce que j'ai augmenté mon amitié avec lui. Tiens, salut. Tu m'aideras à tout préparer. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux inviter Mickey? Oui, oui, ça a l'air sympa. Oh là là, ce sera le dîner le plus succulent de tous les temps. Je veux préparer une bouillabaisse. Ah, Dingo, Said. Allez, l'OM. Avec des produits fruits de la mer. Allons à la plage pour attraper des pétoncles, des crevettes et des palourdes. A plus. A plus. On va... Je ne sais pas du tout jusqu'où j'irai. Je vais naviguer aujourd'hui, mais je suppose que ça ne te surprend pas. Tu as toujours voulu partir au large? Quand j'étais jeune, mon père voulait que je sois heureuse là où j'étais, que je me concentre sur ma responsabilité envers notre peuple. Mais quelque chose en moi me poussait vers l'océan. J'ai trouvé un moyen de réunir ces deux mondes. Notre peuple est à nouveau un peuple de voyageurs. Je suis heureuse que tu aies trouvé un moyen de réunir ces deux mondes. Moi aussi, je suis tellement reconnaissante. Découvrir qui nous étions nous a rendu encore plus incroyables. Tiens, j'ai XP. Donc mon énergie max a augmenté, j'ai eu une espèce de papier peint. Elle veut quoi comme cadeau? Elle veut... Non, je lui ai déjà offert son cadeau, je crois. À bientôt. À bientôt. Ramasse des pétoncles et récupère des crevettes. Donc ce que je vais faire, c'est que... Où est Mickey? Chez lui. Je vais aller chercher Mickey et comme ça on va faire un peu d'excavation pour trouver... Alors parce que mes quêtes elles sont ici. La quête que j'étais en train de faire c'est celle de l'épave mystérieuse donc il me faut un peu de bois dur et des lingots de fer. Donc on va aller chercher Mickey parce que vous verrez qu'en fait quand vous explorez avec un habitant, et ben en fait il XP en même temps que vous. Genre là Mickey... Salut mon ami. Je lui dis... Déjà comment tu vas? Comment vas-tu aujourd'hui? Heureuse, comme d'habitude. Je suis heureux que tu sois heureuse. À très bientôt. Je suis content de te voir. Et du coup, je lui dis, allons faire un tour. Et en fait, lui, Mickey, il XP surtout quand je fais de l'excavation. Voilà, genre, en fait, quand tu deviens pote avec un personnage, il te dit, il te demande quelle spécialité tu veux qu'il soit, quoi. Et genre, Vaiana, par exemple, bah, je lui ai dit la pêche. Et Mickey, je lui ai dit l'excavation. Donc, je sais que quand je vais miner... Donc là, par exemple, il me faut des lingots de fer, donc il me faut du fer... Quand je vais miner, je prends Mickey avec moi. Et en fait, regardez, vous voyez, genre là, je mine. Et en fait, Mickey, juste derrière, hop, il gagne en... Bah, je gagne en amitié avec lui, quoi, en gros. Enfin, il va pas le faire avec moi, il me regarde faire, c'est ça. Je suis un colosse de 2 mètres et 100 kilos avec... et une de mes scènes préférées de tout le cinéma, c'est le sauvetage de Ralph par les princesses dans Ralph 2.0. Je l'ai maté 12 fois avec pause à la frame. On adore, franchement, moi j'ai trop kiffé les mondes de Ralph. Mais j'ai pas vu Ralph 2.0, est-ce qu'il est sorti sur Disney+, déjà, là, avec la chronologie des médias ou pas? Parce que je crois que je l'ai loupé quand il est sorti au ciné. Oui? Ah, faut que je le regarde alors.
Il faut que je ramasse du bois dur aussi. Et le bois dur, c'est que dans le bayou de la confiance. Donc, ben, c'est ici, en fait. Ah, bah tiens, je viens de choper le truc pour Picsou. Ah, ça, c'est du bois dur. Donc, il m'en faut 30. Et vous voyez, c'est ça que j'ai fait en off, en fait. Genre, en gros, pendant mes calls... Je me mets sur Disney Dreamlight Valley. En plus, c'est tricard total parce que du coup, c'est marqué sur Discord. Ultia joue à Disney Dreamlight Valley. Donc, c'est total tricard, mais bon. Et en fait, je faisais ça, en fait. Je ramassais du bois dur. Mais en fait, il y en a hyper rarement. C'est horrible. Genre là, vous avez vu, j'ai déjà fait le tour. Et en fait, tout ce matin, j'ai fait ça. Et hier, j'ai fait ça aussi. Pendant mes calls. Et j'ai toujours pas fini la quête. Non mais vous vous rendez compte? Ah, Nénuphar Rose, je sais pas, Laura. Très sérieux, les calls à la Ultia Corp. Non mais en vrai, franchement, je l'ai dit, hein. Je veux trop Anxon. Je veux trop qu'il y ait un multi dans Disney Dreamlight Valley, comme ça Ascali et moi on se retrouvera dans le multiverse de Disney Dreamlight Valley avec notre meilleur pote Vaiana pour faire nos calls. J'ai trop hâte. Bon, faut que je laisse Ripop les branches, hein. Visiblement j'en ai trouvé une quoi. Franchement c'est abusé, hein. Ça met trop de temps à Ripop, c'est ouf en vrai. Genre là j'ai joué ce matin et j'ai relancé maintenant. Alors les lingots de fer, je vais y être, je pense. Et du coup, en parallèle, je vais faire la quête avec les palourdes et les crevettes. Donc du coup... Lingot. Voilà, il me reste que le bois dur. Qu'est-ce qu'il y a, Pinou? Dis-moi. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Mais dis-moi. C'est prévu le multi dans le jeu, c'est dans la feuille de route, c'est vrai? Tiens, une carotte. Il y a du bois dur à la forêt du courage, mais je l'ai pas encore débloqué la forêt du courage. Je vais voir si je peux le faire, tiens, je vais voir si j'ai assez de Dreamlight. Qu'est-ce qu'il m'a donné? Un sac à motifs. Motif Tour Eiffel. Tiens, je vais donner le cadeau à Picsou. Salut Super Carotte, trop beau ce Tie and Dye Rose. Ouais, on adore le Tie and Dye Rose. Ils ont rajouté le rose en couleur, justement. Il n'y avait pas avant. Mais du coup, ouais. Et en fait, une des meilleures fonctionnalités du jeu également. En vrai, il me fait trop rire. Picsou, j'ai un cadeau pour toi. Tiens. Je te remets. Et Mickey. Carottes, crackers, ok. Tiens, je vais regarder si je peux pas débloquer la forêt du courage avec la Dream Light. Mm-hmm. 3000. Oh, ah, j'ai assez. Il faut vraiment que tu visites la forêt du courage. C'est un endroit magnifique. Retire les épines nocturnes qui bloquent le chemin. Tu devrais pouvoir y aller. Ah, c'est impressionnant, tu as dégagé le passage vers la forêt du courage. Vas-y. Ouais. Merci Olali pour le 21e mois. Je suis un peu en retard, mais bravo pour la boutique gratuite. J'ai commandé les deux t-shirts et le hoodie plaid. Ça va te chiller au chaud devant tes lives pendant les longues soirées d'hiver. Merci beaucoup Olali, c'est adorable. Merci pour le 21e mois et pour le soutien avec la boutique. Merci beaucoup.
Les réunions. Et donc, concernant les chiffres de ce trimestre, tu as vu Mickey quelque part ? Non mais grave. Bah, genre là, avec Ascali, vraiment, hier, c'était trop ça en fait. C'était vraiment... Oh, j'ai débloqué le lit de Belle. Ouais, donc du coup, ce que je te disais vis-à-vis du client, c'est que... Ça, c'est pas très ratus. Merci, But Rambo Died. Merci pour le 19e mois. Je vais pouvoir récupérer tout le bois dur dans la forêt du courage. Ah, oh, il y a de l'ail aussi. Qu'est-ce qu'il y a, Mickey ? Dis-moi. J'ai une idée pour ramener Mini pour de bon. Tu peux m'aider ? Qu'est-ce qu'il y a ? Merci, Ultia. D'après Merlin, le nœud de Mini a suffisamment de souvenirs pour la ramener. Nous devons faire en sorte qu'elle arrête de disparaître. Merlin a inventé quelque chose de nouveau. Ça s'appelle l'amplificateur de Dreamlight. On pourrait le construire nous-mêmes. Il nous faut juste des matériaux. Quelques pièces de bricolage, un peu de bois, une émeraude. Et bien entendu, le nœud de Mini. Le voici. Bon, il y a beaucoup de quêtes. Il va falloir qu'on se concentre parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de quêtes. Chaque chose en son temps, Mickey. En parlant de ça, il y aura un restock pour le hoodie plaid. J'ai pas pu en avoir pour la nif de ma sœur fin octobre. Oh, je suis désolée, Régie, tu l'auras pas avant fin octobre. Il y a un restock pour les hoodie plaid, mais ça sera genre courant novembre, en fait. Parce que j'ai pris toutes les... Oh Salut! Christophe! Oh! Attends, il y a quelqu'un! Navré, je suis perdue dans ces bois depuis si longtemps! Mais qu'est-ce que tu fais? Donald et moi étions en train de fouiller la vallée en quête d'un moyen de combattre les épines nocturnes et d'arrêter l'oubli! Donald! Ah oui, pour Noël, c'est bon, tu l'auras, Régie. Je l'ai en quelque sorte perdu, peut-être est-ce qu'on lui. C'est lui qui m'a perdu. J'ai perdu le Nord. J'ai perdu le nord. L'est et l'ouest, quand tu pars, c'était toi ma vraie boussole, car j'ai perdu le nord. Et bientôt l'espoir de te revoir, j'attendrai, tu verras, tu verras. Ah, je suis trop contente. Je l'ai perdu, mais comment t'as perdu Donald? En réalité, c'est plus facile qu'on croit. Nous étions dans la forêt du courage quand les épines nocturnes nous ont piégés. Et c'est alors que nous avons vu une entité ténébreuse ôter l'orbe du courage du pilier de la forêt. Tout à coup, elle a ouvert un passage et y a pénétré dans ce portail ténébreux là-bas. Et Donald a tout simplement traversé le portail à la poursuite de l'entité ténébreuse. Ah, mais il est déterminé, Donald. Bah, c'est stupide. Peut-être, mais il fallait bien faire quelque chose. J'ai essayé de le suivre, mais il m'a hurlé de ne pas bouger et de protéger ses arrières. Oh, mais attends. Mais je savais pas qu'il était courageux comme ça, Donald. Genre, Donald, il est en mode « Vas-y, je vais suivre cette entité ténébreuse à travers ce portail douteux. T'inquiète, Christophe, reste là, surveille mes arrières. » Je voulais me disputer avec lui, mais il n'y a rien à faire contre Donald. Il plaisante zéro. Et ce fut la dernière fois que je l'ai vu. Ça fait si longtemps, j'espère qu'il va bien. Et si t'as été en mesure d'éliminer les épines et de me trouver, tu détiens peut-être suffisamment de puissance pour traverser le portail et le sauver. Vas-y, je m'en occupe. Waouh, si seulement t'étais arrivé dans la vallée avant, t'as quelque chose de spécial. Je ne sais pas pourquoi, mais je sais que tu peux le faire. Traverse le portail et t'en fais pas. Je serai là à ton retour. Eh, merci. Pas de rien, mec. Photo ! Non mais Mickey, mais casse-toi ! Mickey, j'ai pas envie que tu sois sur la photo ! Bon, Mickey, arrête de me suivre. On ira faire un tour plus tard, Mickey. Casse-toi. Donc dans Disney Dreamlight Valley, vous avez en haut à gauche une barre d'énergie, en fait. Sauf que, on pourrait croire que c'est galère de la faire remonter, mais en fait, si vous avez genre de la nourriture sur vous... Ou si vous faites un aller-retour à votre maison, et ben, en fait, ben, c'est bon, quoi. Genre, tu récupères toute ta barre d'énergie gratos. Arrête de me suivre, c'est oppressant!
J'ai perdu le nord. J'attendrai. Tu verras, tu verras. Ok. Oh, il y a un raton laveur. J'entends Mickey chanter là, j'en peux plus en fait. C'est ici, Donald? Ah oui, je peux rentrer comme as, ok. Bon, en fait j'ai trop de quêtes là, faut peut-être faire un peu du tri dans les quêtes à faire. Christophe! Non mais là t'as l'air bête comme ça, t'as l'air idiote. J'ai une photo avec Christophe et pas vous. Beau gosse. Bon après je dis ça mais il me saoule Christophe dans la Reine des Neiges 2. C'est horrible, c'est trop un forceur. Genre t'es en mode, non mais, enfin Christophe, c'est gênant ton comportement. Viens, on a plein de choses à faire. Bah ouais je sais Vaiana, mais tu voyais quand je vous dis que c'est ma meilleure pote. Personne me croit. Mais en fait, le truc, c'est que j'ai trop de quêtes en cours, Vaiana. Euh, 21 de bois dur, là, j'ai. J'ai jamais vu la Reine des Neiges 2. En vrai, il est cool. Mais Christophe dans la Reine des Neiges 2, il est trop chiant. Christophe, il faut qu'il soit beau et qu'il se taise. Oui, c'est un peu ça. Ah, elle a trop raison, Madame Mime. Genre vraiment, Christophe, t'es en mode... Non, mais tu sais, parfois, tu peux juste te taire. Hein, t'inquiète, mec. Genre, en gros, dans le 2, bon, pour rester évasive, genre, c'est trop un forceur. Genre, en fait, il pleurniche parce que Anna, elle s'en fout de lui. Mais genre, Anna, elle a 99 problèmes sur sa liste. Et Christophe, c'est le problème numéro 100. Mais Christophe, pendant le 2, il est toujours à chialer comme une chialette. En mode, oui, Anna, elle m'aime pas, nanana, nanana. Alors que Anna, elle est en mode, mais en fait, mec, c'est abusé tout ce que j'ai à faire. J'ai grave de problèmes. Donc, du coup, si tu pouvais juste arrêter de me saouler. Et du coup, comme c'est une énorme drama queen, c'est à ce moment-là qu'il a fait la musique... de « J'ai perdu le nord !» où il fait une musique genre parodie de boys band avec le cerf, Sven. Il est vraiment trop drôle. Genre, c'est trop marrant. Alors que Anna, elle est en mode « Écoute, juste donne-moi 5 minutes, je règle mes problèmes et après seulement... » Mais non, mais moi aussi, j'étais morte de rire au cinéma. C'est trop, c'est vraiment hilarant, ce moment. Donc, voilà. Donc, regardez le 2. Vous penserez à moi quand Christophe vous saoulera. Et que vous serez en mode, mec, là, là, tout de suite, tu n'es pas le centre du monde. J'ai envie de voir Judy de Zootopia. Ah oui, je sais pas s'il y a des persos de Zootopia là pour l'instant. C'est vraiment le ménestrel quoi là, hein, Christophe. Salut Moustachou! Ah, le bois dur. J'en ai 22 sur 30. Oh mini. Oh Mickey! Vraiment que je travaille ma mini. Hein. 23 sur 30. C'est quoi cette note? Ah
Bien sûr que j'aime la vallée, je l'aimerai toujours, mais dernièrement, tant de distractions, il y a tant d'autres choses que je dois... Alors ça, c'est des notes qui sont laissées par la monarque. En fait, la monarque, c'était celle qui était un peu à la tête du truc avant que j'arrive. Et du jour au lendemain, elle a disappear. Oh ! Dingo ! Mon estomac crie famine. Salut ! Je t'ai fait un cadeau ? Oh, je t'ai fait un cadeau, regarde, je t'ai donné de l'origan. À plus. Non, j'ai pas encore vu l'event d'Halloween, parce qu'en fait, je crois qu'il faut que j'avance dans le jeu, dans la quête principale, pour voir le reste, en gros. Putain, et dire que j'étais pas sûre de retourner sur le jeu... En fait, c'est pour ça hein, que je retournais pas sur le jeu. C'est parce que je savais que c'était trop un piège. Mocassin brun. Oui, dans Spirit Farer aussi, ils ont tout enfin une note. Une forêt est pleine de vie, de secrets, de la vie rapide et calme des ratons laveurs, au battement d'ailes des oiseaux dans les arbres, aux chouettes et aux chats sauvages qui glissent silencieusement dans les ténèbres. Les créatures de la nature, besoin d'air pur. En fait, je crois que c'est à cause du fanservice que j'ai un problème avec ce jeu. Qu'importe la couleur de leur peau. Je vais pleurer. On est chez la reine des neiges. Oh là là. La porte de chambre. Perdu dans l'hiver. Salut Audrey! Mais pourquoi j'arrive pas? Ah voilà. Je suis à côté de la porte! Oui! Je suis trop contente! Oh, est-ce que c'est une robe? Pas de tourment. Oh là 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 là! Oh, le pull douillet bleu vert! Ouais, mais il fait peut-être un peu chaud pour ce pull. J'adore. Je veux le même pull IRL. Il est beau, hein? Bon, on va remettre le haut de tes fitiers pour l'instant. J'ai vu que t'étais devenu addict. C'est horrible, 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 horrible. Au début, j'avais dit que je reviendrais pas sur le jeu parce que vu que le jeu est en accès anticipé, je me suis dit oui, quand le jeu sortira définitivement en 2023, ça fera bizarre si j'ai déjà commencé le jeu et tout pour le live, etc. Et en fait, comme le début du jeu de l'accès anticipé, c'est vraiment le début du jeu officiel, juste il y aura quelques correctifs de bugs, de trucs comme ça, mais sinon ça sera ça quand le jeu sortira. Je me suis dit vas-y, fuck it, juste je fais pas beaucoup de sessions. Genre, je fais pas beaucoup de sessions, comme ça, j'avance pas trop. Mais là, vu qu'il y a une mise à jour pour l'automne et pour Halloween, je me suis dit, vas-y, rajoute du contenu sans cesse et tout. En vrai, j'y retourne, quoi. Ce château est le lieu où vit Elsa. Non, attends, c'est pas ça. Seule sa sœur vit ici. Annie ? Angela ? Pourquoi je n'arrive pas à me souvenir de son nom ? C'est Anna, en fait. Espèce d'inculte. Je suis trop contente.
J'habite là maintenant. Je suis trop... En vrai, je suis contente. Premier degré, c'est bizarre quand même d'être à ce point en mode fanservice. C'est pas possible. Putain, ce burger, il déboîte. Il m'a rempli mes deux barres d'énergie. Apparemment, le jeu sera free-to-play 2023, mais il n'y a pas encore de communication officielle autour du truc, tu vois, d'après ce que j'ai compris. Rifus. Choqué, ton personnage te ressemble vraiment. Bah, on a fait en sorte qu'il nous ressemble un peu, mais je me suis permis le tie and dye rose que j'ai pas. Royaume de solitude. Si on m'avait donné ce jeu quand j'avais 8 ans, mais je serais juste l'enfant le plus heureux du monde. Mais en fait, c'est une des premières choses à laquelle j'ai pensé quand j'ai découvert ce jeu la première fois. Je me suis dit, mais si j'avais eu 8 ans, mais genre, enfin, je crois qu'on se rend pas compte en fait. Je crois qu'on se rend vraiment pas compte de ce jeu. Genre de si j'avais découvert ce jeu enfant, genre là dans l'état que je suis à 27 ans, mais enfin... Oh là là. Mais je sais pas, j'aurais été en pleurs tout le long, enfin... Je suis en train d'essayer de me spoiler ce qu'il y a à l'autre côté. C'est 10 000 Dreamlight, rien que ça, hein, pour aller là. Mais ouais, franchement... J'en serais jamais revenu, je pense. T'as combien 4 000. En plus, faut un peu économiser les Dreamlight, parce que tu sais, parfois, t'en as besoin pour une quête ou quoi... De toute façon, je viens de débloquer cette zone, c'est pas pour débloquer celle d'après tout de suite. Tu vois, déjà là, avec les quêtes du Bayou de la Confiance, plus les quêtes d'amitié qui se sont débloquées, regarde tout ce que j'ai comme quête à faire. C'est abusé. Donc, autant faire étape par étape, sinon je vais tout cumuler les quêtes, c'est... ça va être trop. Bon, Mini, faut que tu viennes, hein. Le rêve d'une vie. Bonjour. Combien ? 2005. Allez, vas-y. La TP, c'est utile quand même. Bon, le puits, c'est la téléportation, en gros. Et en plus, comme tu peux vraiment modifier toute la ville comme tu le souhaites, bah en fait, si le puits, il t'arrange pas à ce point-là précis de TP, bah en fait, tu le places ailleurs. Vraiment, tu le mets où tu veux. Ça, c'est plutôt cool. Un dingo. Tu aurais vu mon ami Donald ? Non, j'ai pas vu Donald. En fait, il est passé à travers ce portail chelou, donc... Si tu veux, vas-y, je t'en prie. 28. Il me manque 2 branches de bois dur. 2. S'il n'y en a pas ici, je retourne au Bayou de la Confiance. Ça se trouve, elles ont rip-hop. Apparemment, il n'y a pas Jack. Il n'y a pas Jack pour l'instant. Il y aura peut-être... Après, tu vois, moi, je pense que c'est typiquement un jeu à service. C'est-à-dire que je pense que ce jeu... Même quand il sortira pour de vrai, pour de bon, il sera, pour moi, il sera mis à jour souvent avec des nouveaux persos et qui rythmeront les saisons, tu vois. Donc genre, on est, enfin, tu vois, je pense qu'il y aura complètement un Jack Skellington, tu vois. Et le jeu est déjà sur Switch, Super Carotte, c'est juste qu'apparemment, il y a pas mal de lag et tout, en gros. Non, si tu rentres et si tu ressors, ça fait pas respawn le bois. Du coup, je vais aller au Bayou de la Confiance. Donc, je vais pouvoir me TP. Regardez, il y a encore les hauteurs glacées, les terres oubliées et le plateau ensoleillé. Voilà, comme zone que j'ai pas débloquée. Il y a déjà 50 persos de prévus dans le data mining. En vrai, c'est énorme. En vrai, c'est énorme et je pense vraiment que ça sera un jeu qui sera mis à jour. Déjà là, je m'attendais pas du tout à... Je m'attendais pas du tout
à ce qu'il y ait déjà une mise à jour. C'est pour ça que je vous avais dit, ouais, je reviendrai pas sur le jeu, j'attends que le jeu sorte. Mais bon. Franchement, c'est difficile de pas craquer, quoi. Et dites-vous que là, j'ai les zones que je vous ai montrées que je dois débloquer. Mais il y a aussi... dans le château là, dans le château principal qui est dans les ronces, de temps en temps, je peux y aller pour débloquer des persos genre Wally et Ratatouille. Là, pour l'instant, j'ai débloqué Vaiana parce que j'ai choisi de débloquer Vaiana, mais j'aurais pu choisir Wally ou Ratatouille. Voilà. Oui, bah, deux secondes, Merlin. Tout le monde a une quête. C'est horriblement frustrant, en fait, de ne pas pouvoir prendre toutes les quêtes parce que sinon, je vais jamais y arriver. Donc, j'essaye de faire au four et à misour, comme dirait ma grand-mère. Donc, où est le bois ? Le bois dur, s'il vous plaît. Ils vont sûrement rajouter des zones. Bah ouais, en vrai. Non mais 100% en fait. Non mais pour moi, il y aura encore des zones là, là, ici. Là, là. Je sais pas trop comment ça va se faire, mais oui, je pense. Ouais, les terres interdites, là, c'est le roi lion. Hein. Je pense qu'il y a Scar là-bas, en vrai. Scar, c'est avec la mise à jour d'Halloween, du coup. Boum, 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 boum. Clairement, je vois trop de nouvelles zones avec l'arrivée de nouveaux persos et tout. Ouais. Oui, 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 oui. Et il y a Ursula aussi, d'ailleurs. Bah là, d'ailleurs, il y a une quête en cours avec ça aussi qu'il faut qu'on fasse. C'est la quête où on a planté des trucs, là. La quête d'Atlantide. Avec le joyau d'Atlantide. Comment ça va, Cascake ? Bon, il n'y a pas de bois dur. Je vais péter un câble. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'TP à la plage enchantée pour aller récup, enfin la quête de la de Atlantide là. Bah tiens, il y a Vaiana qui nous a ramené du poisson et des algues. Putain, il me reste une branche de bois dur en fait. Pitié. Ouais, ça va, merci. On a fait un peu de Splatoon, le mode solo, et là, on s'est dit qu'on finirait sur Disney Dreamlight Valley. Vous voyez, genre, ici, il fallait que je mette des joyaux dans les mains de chaque truc. Là, il fallait que je plante des graines. Découvre ci-dessous les bonnes cultures pour continuer ton aventure. L'une est sous le sol, l'autre dorée et marron, et ce qui reste est rouge et rond. Ah, mais merde. J'ai pas arrosé le plant de tomate. Bon bah encore, faut attendre encore du coup. Comment avoir ce petit renard roi ? Il faut l'accès anticipé plus Yatsu. En gros. Moi j'ai l'accès anticipé plus. Tu sais, il y a trois types d'accès anticipé. T'as le premier où t'as genre certains cosmétiques. Je crois que t'as genre... Alors, je les connais pas de tête, hein, mais... Je crois que t'as genre... En fait, je sais plus trop. Je sais que le deuxième, t'as toute la tenue de Buzz, là. Le casque spatial... Ah, c'est fini, maintenant ? Il y a plus ça pour l'accès anticipé ? C'est terminé ? Oh non. Tiens, d'ailleurs, il y a eu un cocotier. Ça y est, l'anguille, elle a fait un cocotier pour Maui. Bon bah vas-y, je me re-TP ici pour trouver la dernière branche, là c'est un sup. Faut arroser plusieurs fois certains légumes. Ouais d'accord. Bon bah on attend du coup. Heureusement que je m'en suis rendu compte maintenant, comme ça on a le temps de faire le reste. Tu as l'accès anticipé, fan de Disney, méga fan de Disney et j'habite dans le château de Disneyland Paris. C'est ça. Oh, dis-moi que c'est du bois dur. On dirait pas. Oh non.
Une Ratus qui paye 80€ pour un jeu, c'est rare. Non, non, ils me l'ont envoyé la clé. Genre, ils me l'ont envoyé la clé, c'était une OP, c'est comme ça que j'ai découvert... Enfin, non, pas vraiment découvrir le jeu, parce qu'en vrai, c'est faux, j'avais dit que j'y jouerais pour découvrir, justement. J'avais dit ça quand on avait trouvé le trailer pendant je sais plus quelle conf. Mais ils m'ont sponso pour le Day One, donc du coup, ben, ils m'ont envoyé la clé. Bois dur, c'est un raccourci pour bois dur à trouver, mais de fou! Vous voyez, heureusement quand même que j'ai... Heureusement que j'ai joué un peu en off hein, pour farmer, hein, parce que franchement, on y serait encore, hein, sinon. Ah ! Let's go ! Dingo ! Léo Dingo. Pourquoi je le vois pas ? Il doit être là. Là-bas. Dingo ! Attends de devoir trouver masse argile. Salut Mobit, ça va ? Bah, j'ai déjà dû trouver un peu d'argile pour cette quête-là. Genre, il y avait 30 argiles, je crois. Attends, qu'est-ce qu'il m'a dit ? Quête. Fabrique ceci à une station d'artisanat, kit de réparation de radeau. Ok. Tu vois, le kit de réparation de radeau, c'est ça. Et du coup, c'était 25 argiles, 32 bois durs. T'as vu, j'en ai récolté plus de l'argile parce que je l'ai senti venir. 7 cordes et 10 lingots de fer. Ça m'a pris une blinde. Je me suis connectée en off pour farmer et genre, j'ai toujours pas eu la totalité des collectibles. C'est un truc de fou, en vrai. Donc ça, c'est bon. Franchement, chaque chose en son temps. Là, j'ai débloqué plein de quêtes. C'est trop pour moi. Je préfère faire une par une. Nous pouvons maintenant réparer le radeau. Mène-nous jusqu'à la plage enchantée. À plus. En vrai, j'ai trop envie de... J'ai trop envie de pêcher ce poisson qui a l'air un poisson rare. Je savais pas que Dingo, il aimait la navigation. Ça fait plusieurs fois qu'on a des quêtes avec lui en lien avec le bateau, tout ça. J'ai vendu mon âme, j'ai déjà 400 heures sur le jeu. Oh là là. Répare le radeau endommagé près du rocher du crâne sur la plage enchantée. Oui, 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 oui. Il y a Mini. Oui, Mini, elle apparaît que en fantôme. Il faut que je fasse la quête pour la faire réapparaître pour de bon. Parce qu'en fait, tous les habitants subissent... Enfin, c'est ça le pitch du jeu. Tous les habitants subissent ce qui s'appelle l'oubli. Et du coup, ils sont oubliés, donc ils peuvent plus être à Disney Dreamlight Valley. Là. C'est ça, non? Bam! Bah, y en a qui va être contente. Ouais, c'est ça, littéralement ghost et mini. Tu as réussi, Ultia, le radeau est comme neuf. T'as plus qu'à monter à bord et à prendre le large. J'espère que tu trouveras un nouvel ami, mais sois prudente. Je ne voudrais pas que tu fasses naufrage sur une île déserte. Je suis un peu nerveuse. T'en fais pas, je serai là pour t'aider si t'as besoin de moi. Monte sur le radeau et va trouver qui a fait naufrage là-bas. Alors attends, parce que j'ai quand même pas mal de quêtes. Genre là, il me faut deux crevettes et des pétoncles. Et Maui, il faut que je récolte une noix de coco dans le nouveau cocotier. En vrai, je vais faire ça avant de partir. Alors ça, c'est les pétoncles, non? Attends. Ouais, c'est ça, les trucs bleus. Demain, faut que je rattrape la VOD d'aujourd'hui et la fin de Plague Tale. Rattraper les lives, c'est une vraie charge mentale. Et il me faut deux crevettes. Donc, excusez-moi. Crevettes, crevettes, crevettes. Si je vais dans poisson, plage enchantée. Du coup, faut juste que je récolte les noix de coco là.
Mon inventaire est plein. Dingo est un pro de la course de baignoire. Ah ouais? J'avais le dessin animé en cassette de Dingo et son fils là. Il était un peu émouvant ce truc là, je trouve. Dingo et Max, ouais. Ouais, c'était trop bien. Ouais, je crois que c'était Noël et c'était un peu triste, non? C'était pas méga émouvant, genre? Genre, il n'y avait pas Max qui était en pleine crise d'ado et Dingo qui était en mode mon fils s'en fout un peu de moi. Genre, je crois que c'était pas Dingo qui essayait de faire plein de trucs de papa un peu mignon et genre Max qui était un peu en mode papa, tu me fous la honte et du coup, genre Dingo qui était un peu triste en mode ah, mais mon fils devient grand. C'était pas ça le pitch? Peut-être que je parle d'autre chose. Ah ouais, et ils étaient méga pauvres, je crois. Il y avait aussi l'histoire de Mickey et Minnie qui cherchaient à offrir un beau cadeau à Minnie. C'était pas Mickey et Minnie fête Noël? Je crois que je l'avais en... C'est pas très ratus. Ah non, je crois que c'est son fils, Max. C'est pas son neveu. Max veut aller à un concert et Dingo le force à faire un road trip. Ah ça, je m'en rappelle pas. Merci à Bonjour Marion pour le deuxième mois d'abonnement. Merci beaucoup. Ça, je m'en rappelle pas, j'avoue. Peut-être qu'on va aller voir Maui pour valider la quête de l'anguille qui devient un cocotier. Mais je me souviens qu'il me rendait un peu triste ce dessin animé Dingo et Max. Maui! Maui a toujours du temps pour ses fans. Alors, une fois que t'auras un cocotier, reviens me voir. Bah ça y est, c'est fait! Ah merde, j'ai pas récolté la noix de coco. Vraiment une feignante. Salut Mati, ça va et toi? Je viens de rentrer des courses et je pense que j'ai croisé le saucisse spirituel de Ultia quand j'ai pris un paquet de pâtes Barilla. Une dame que je connais pas est venue m'en vanter les mérites. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Genre t'étais en train d'acheter des pâtes Barilla tranquillou bilou. Et il y a une meuf qui t'a dit « Oui, alors ça tombe bien que vous sélectionniez ce paquet, parce que... » Tu lui as dit quoi ?« Oui, 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 madame. » Maui ? Ça, c'est pas très ratus. Merci Tony pour le dixième mois. Tiens. Hey, donc là, tout ce... pris si longtemps. Oh et oh, hein. Je plaisante. Donc là, tout ce que je fais à... avec Maui, Vaiana et tout, bah en fait c'est un truc que j'aurais pu débloquer mais cette fois avec Ratatouille ou avec Wally. Genre chat, j'ai vu qu'elle a choisi Wally, elle s'est mise au jeu mais elle le streamera pas. Merci, merci Tony pour le dixième mois, merci beaucoup. D'accord, merci, je suis partie. C'est gentil à la base, mais comme ça, ça me saoulerait trop. Je fais mes courses, lâche-moi la veste. Grave. Ça, vous avez vu comme c'est beau? Il est beau le jeu, hein, franchement. Ouais. Salut Abilabès, bienvenue. C'est normal ça, un jour ma mère m'avait fait des petites courses quand j'étais étudiante et avait pris des Panzani alors qu'elle pond toujours des Barilla. J'étais trop déçue. un des nombreux exploits qui ont fait de moi un héros... Des noix de coco, ok. En parlant de mon héroïsme, es-tu aussi une demi-déesse? Tu es un peu petite. Quoi? Non, c'est fou, t'es juste une personne humaine ordinaire qui peut faire des trucs non humains, c'est ça? En fait, je m'en fiche un peu, parce que maintenant, les noix de coco vont pousser naturellement sur la plage. Plus besoin de planter des anguilles. D'accord, tu peux y aller, j'ai besoin de réfléchir à mon prochain exploit héroïque. Viens me voir plus tard. Ah, stylé. En vrai, stylé, il a déjà une autre quête pour moi. J-pep, je n'avancerai jamais. D'ailleurs,
coucou les ratus, j'étais mort de rire, j'ai regardé la VOD de mercredi, du coup j'entends joyeux anniversaire Cocoon Raccoon. J'étais pas là, je voulais pas me spoil le jeu, mais merci à tous de me l'avoir souhaité. Bah non, bah de rien, c'est normal. Joyeux anniversaire en retard. Il y a des bugs de connexion depuis la mise à jour, là je suis un peu deg. Ah voilà. Des conversations quotidiennes avec Merlin, récolte des tomates, vend des plats 2 étoiles. Il faut que j'attrape 2 crevettes, fabrique des pièces de bricolage, c'est 6 pour la quête de Mickey. En vrai, je vais le faire méga rapidement, je pense. Parce que je crois savoir comment on fait. Juste, faut que je trouve les crevettes. On retourne chez Anna après ? Bah pour l'instant, j'ai pas de quête avec Anna. La seule quête, enfin avec Anna. La seule quête que j'ai avec le monde d'Anna, c'est ça là, c'est traverse le portail ténébreux. Mais bon, d'abord, je vais finir déjà ce que j'ai pris avant parce que sinon, je vais vraiment accumuler les pièces. Ah putain, il me faut des lingots de fer pour faire des pièces de bricolage. Vas-y, on va vite fait dans le bayou pour chercher du fer. Non, non, il n'y a pas Anna. Il n'y a pas Anna, il y a juste Christophe. Mais il m'a donné une quête, mais du coup, bah là, pour l'instant, j'ai tellement de trucs à faire que... Je sais que si je vais faire la quête de Christophe, ça me débloquera une autre quête qui me débloquera une autre quête. Donc là, pour l'instant, je fais un peu de tri dans ce que j'ai à faire déjà, là. Parce que moi, je suis pas trop du genre à... C'est dans un jeu vidéo, j'aime bien... Je sais pas. J'aime bien ne pas accumuler les quêtes et tout... Tu peux trouver du fer dans la forêt du courage. Ouais, ok, vas-y, je vais y aller après avoir fait celle du bayou. Là-bas. J'ai enfin commencé Disney Dreamlight Valley. Je suis complètement accro, c'est abusé. Tu m'étonnes. Appelle-moi Abby, ça marche. Abby. Genre là, ils ont tous des quêtes pour moi, c'est abusé en fait. Je suis indispensable. Exactement. Ah mince. Bon, je vais retourner à la maison. Mais en attendant, je vais manger quelques carottes. Voilà. J'ai fini l'event. Je pars sur la découverte de Plectel Requiem. Let's go! Trop trop bien, Plectel Requiem. J'ai hâte de faire la suite. Salut Ander, merci pour le 33e mois. Merci beaucoup. Là, je peux faire un seul lingot de fer? Ah. Ou je vende des trucs d'abord. Donc, je récupère mon énergie. Vous avez entendu la musique à l'intérieur? En vrai, c'est énorme. C'est vraiment trop bien. Mais pourquoi j'arrive pas à me TP? Ah non. Oh non. Encore un bug. Bon, je rappelle que c'est un accès anticipé, du coup, bon ben voilà, mais... Ah, j'ai réussi à me TP sur un truc. T'as jamais eu de strike? Non, mais c'est par prudence hein, qu'ils ont parlé des strikes. Hein. C'est par prudence, Erwen. Parce que les strikes des mélodies Disney comme ça, ça n'arrive pas en fait. Faut que je redémarre le jeu. Genre, vraiment le mode streamer, heureusement que je l'ai jamais activé parce que pour moi, c'est vraiment du bullshit. C'est pas des mélodies comme on l'entend dans Disney Dreamlight Valley qui vont me faire strike sur Twitch, quoi. Et encore que... Comme ils avaient fait un mode streamer, je me demandais, mais oui, la musique est trop différente, de fou. De fou, de fou. Ça, c'est pas très ratus. Merci Ander pour le 33e mois, merci beaucoup. Ouais, moi aussi, je me demande qui est-ce qui était la boss du village. Feel you, but I don't.
Alors, fabrique des pièces de bricolage. Donc, ok. J'avais dit que je voulais aller ici pour vendre des trucs. Je vais peut-être prendre la quête de Merlin, au passage. Il était là. Par ici, il faut qu'on parte. Tout est compliqué, une énorme pagaille mystique. Qu'est-ce qui ne va pas, Merlin ? Rien ! Oh, mais il a failli me taper avec sa canne ou je rêve ? Ou plutôt tout. J'essaye de faire une expérience, mais ça ne fonctionne pas comme je veux. À la quasi, m'a toujours remplacé efficacement à la casem. On dirait que t'as besoin d'une pause. Quand as-tu mangé pour la dernière fois ? Manger, de la nourriture, mardi dernier. Arrête de travailler. Non, arrête de travailler, je vais aller te chercher quelque chose à grignoter. Je n'aurais pas fait mieux moi-même. Salut. Toi aussi, t'as l'impression qu'il va te frapper avec sa canne, mais oui, grave. En fait, pour la bouillabaisse, faut peut-être que je garde certains poissons, hein. Maintenant que j'y pense. Oh. C'est chouette. Genre, c'est juste un plat 2 étoiles à Merlin. Bah vas-y, je vais pouvoir lui faire maintenant. La quête pour Mickey. Il me faut encore 3 pièces de bricolage. Par contre, j'avoue... Il faut aussi la recette de la bouillabaisse pour Dingo. C'est... Ah, mais c'est pas là, en fait. Bon, un plat 2 étoiles à Merlin, ça devrait le faire. On va lui faire... une soupe de carottes. Soupe aux légumes. C'est peut-être trop comparé à Animal Crossing, mais le fait d'avoir des quêtes comme ça permet peut-être de mieux garder les joueurs sur le long terme à 100%. Moi, je suis grave d'accord, Clémopéra. C'est pour ça que je trouve ça quand même différent Animal Crossing et Disney Dreamlight Valley, parce que là, il y a beaucoup de quêtes. Genre, bonjour. Dans Animal Crossing, au début, t'en as des quêtes comme ça, et après, c'est pas cassable, et tu fais ce que tu veux, et t'as pas vraiment de quêtes, juste, tu vois, tu dois compléter le musée, tu dois compléter ton catalogue de poissons, d'insectes, etc. Mais là, j'avoue, du début jusqu'à la fin, t'as un suivi. Et c'est vrai que sur la durée, bon, tu peux moins give up, quoi. Après, l'avantage d'Animal Crossing, c'est que c'est très ouvert, quoi. Tu joues un peu de la manière dont tu veux. Mais y a, les quêtes s'arrêtent vite et c'est vraiment que le tuto, quoi. Ça sent incroyablement bon, on dirait bien que j'ai faim. J'étais tellement absorbée, j'ai oublié de manger. Pas étonnant que je ne sois pas de bonne humeur. Merci, Ultia. Mais de rien, Merlin. Tiens, Merlin. Mais je crois que Merlin, c'est la pêche. Des pièces de bricolage. Donc, on a dit... Ah oui, attends. Les plats aussi, la bouillabaisse. Oh, il y a le gombo de Tiana. Mais c'est dans l'ordre alphabétique. Ah là là! Il y a beaucoup d'ingrédients dans la bouillabaisse! Ah, mais oui, mais il va m'aider à la faire, Dingo! Parce qu'il m'a dit qu'il voulait des crevettes, donc je pense qu'il va m'aider à la faire. Merlin et la commande caressée juste derrière. Vas-y, je vais faire les pièces de bricolage de Mickey, là. Il veut du fer. Je
préfère la façon dont est fait Animal Crossing pour ça, justement. Je pense que j'ai joué à trop de jeux avec des quêtes partout. Au bout d'un moment, j'ai l'impression d'avoir une gigantesque to-do list à faire. C'est plus du boulot que du jeu. Bah là, c'est pour ça que je prends pas les quêtes en rab, parce que je sais que je vais avoir exactement le même sentiment que toi, tu vois. Donc, je comprends trop ce que tu dis, Patachou. Mais bon, du coup, je les prends un peu à mon rythme, etc. Je sais pas si un jeu comme Disney Dreamlight Valley est censé te durer plus longtemps sur la durée qu'un jeu comme Animal Crossing, tu vois. Je suis pas certaine non plus. Dans le sens où... Animal Crossing, logiquement, des années après, tu t'y connectes, il y a toujours un truc à faire. Après, je sais pas, à voir. Mais c'est quand même différent, de toute façon. C'est quand même des jeux que t'abordes d'une manière différente, je trouve. C'est marrant qu'il veuille du fer, c'est précisément ce qu'on n'a pas à forte opportunité. Précisément ce qui me manque, Mickey, du fer. Salutations. Combien ça me coûte? 1005, vas-y. 1001, 1002, 1003. De quoi tu me parles? Poivron. Oui, ici. Je pense que vivre ici est une excellente opportunité. Dans le bois du courage. Salut, mon ami. Salut, Dingo. Vas-y, je vais vendre du minerai. A voir avec le temps s'ils mettent le contenu à jour. Moi, je pense que ça va être le cas, tu vois. Ça va être vraiment typico, le jeu à service mis à jour fréquemment en fonction des événements. Les nouveaux personnages vont arriver très souvent. Je suis vraiment pas très humble hein, niveau niveau inventaire comme d'hab. Je vais poser des trucs dans le coffre. Ça, c'est quoi? L'univers de Disney est tellement immense, je pense qu'il y a de quoi faire. Oui, clairement. C'est fou hein, que Disney ait donné les droits à Game Love comme ça pour faire un jeu de cette ampleur. Salut Tabby. Ouais, c'est bon. J'ai fait la quête du bois dur. Pas bien. Je transfère des trucs. Ah bah tiens, il y a une de mes quêtes où j'ai besoin d'une émeraude. Donc c'est nickel. Heureusement, je l'avais mise de côté. Je mets une pierre de chaque de côté. Comme ça, je me dis, ça va peut-être me servir. Dur de faire de la place dans son inventaire. Arrête. Ok. Salut Pomme. Tu vas bien? Coucou de Bretagne, des bisous à dimanche. Bonne soirée. Merci Poppy. Bonne soirée à toi aussi. Et bon week-end. J'ai retrouvé le nom du jeu DS, c'était Disney Friends. Une des raisons pour laquelle j'ai très peu joué à DS pendant quelques semaines, ma soeur l'a squatté H24. L'enfer.
Hop. Voilà, le lingot de fer pour Mickey. Il m'en faut un deuxième. Donc, il me faut des minerais de fer pour ça. Est-ce que j'ai une quête aise crevette? Oui, Merlin, qu'est-ce qui se passe? Tiens, bah Merlin, vu que je cherche des crevettes. Bonjour. Allez, allons faire un tour. Parce que je le délaisse un peu, hein, peu cher, Merlin. Merlin, je le délaisse un peu, je l'emmène pas souvent avec moi en expédition. Tu restes ici pendant les vacances? Oui, je reste ici pendant les vacances. On m'a dit que les champis, c'était dur à trouver, donc du coup maintenant... Enfin, que c'était dur à reproc, donc du coup maintenant... Ça veut dire qu'il y a une quête avec des champis plus tard, donc dès que j'en vois un, je le ramasse. Je suis partie sans énergie, je suis une quiche. Merlin est fun pourtant. Ouais, mais j'ai pas d'affect particulier avec Merlin, tu vois, j'ai pas dit qu'il était pas fun, mais bon... Mais je l'oublie un peu, j'ai tendance à l'oublier un petit peu. Ouais, on m'a dit que les champis apparemment c'était relou, genre champi bois dur même combat. Du coup depuis je suis en mode ok, dès que je vois un champi je le ramasse parce que je pense qu'il va y avoir une quête chiante plus tard. Hop, pièce de bricolage pour Mickey. Fabrique l'amplificateur de Dreamlight. C'est à la table. Je pense qu'il est sénile, il est complètement fou. Le pauvre. Oh là là. Il me faut deux de bois dur pour l'amplificateur de Dreamlight. Allez. Ben, je trouve que les champis depuis la mage, j'en ai tout le temps au bayou. Ah ouais. Mais Ascali, elle m'a dit que même que à un moment donné, pour... il y a eu une quête où il fallait beaucoup de Dreamlight. Oh non, d'éclat de Dreamlight, là, c'est l'éclat rose. Et que comme avant, on s'en servait tout le temps pour fabriquer du Dreamlight, ils se sont excusés, ils en ont envoyé par la poste dans la boîte aux lettres en mode... Ouais, vas-y, dis-moi, petite Soso. En mode... Oula, on n'avait pas capté que... Qu'il y aurait comme ça une quête où on a autant besoin de trucs de Dreamlight. Enfin, genre d'éclats de Dreamlight, là. Et du coup, ils en ont offert, apparemment. Mais là, le bois dur, moi, c'est un calvaire, hein. Franchement. Je ne sais pas comment... Je sais pas quoi faire avec le bois dur. C'est... J'en ai jamais assez, en fait. C'est un truc de fou. Genre là, je suis dans le bois du courage. Je cherche du bois dur, je n'en trouve pas. On va attendre que ça riproc, hein. Et de 1, c'était du bois dur, ça. Oui. Et il m'en faut un deuxième. Toujours pas. J'ai deux paquets de DS, un paquet de DNS et un paquet d'interro. Lol, les vacances. Attends, mais Erwin... Ah non, c'est Régie qui dit ça. Je vais dire, Erwin, t'es prof. Courage, Régie. Oui, non, mais grave, j'étais en mode, mais depuis quand elle est prof? Mais n'importe quoi. Allez, vas-y, il manque un bois dur, en fait. À l'aide. Puis après, il faudra que je vous laisse, hein, parce que... L'outil...
nous invite ce soir à la maison, enfin à sa maison. Et Lutti ? Non mais Lutti par contre il me tue hein. Qu'est-ce qu'il dit hier dans la conf de groupe ? Il dit peut-être que Carla pourrait nous faire un plat de pâte au four. Oui bah oui. Puis la marmotte elle emballe le chocolat dans le papier alu en fait. Je lui ai dit moi je suis en week-end, je fais à manger toute la semaine. Et là je dois faire un plat de pâte au four pour 8 personnes. Ben non merci. Du coup je lui ai dit à la rigueur si quelqu'un m'aide. Parce que du coup j'ai commencé à dire ça mais personne dans la cour n'a dit ben moi je vais t'aider. Et du coup j'étais en mode non mais c'est une blague. Du coup j'ai dit bah si quelqu'un m'aide pourquoi pas. Et après j'ai dit bah vous savez quoi pour la peine on fait des pizzas. Ça sera bien plus simple pour tout le monde. Comme ça chacun prend des ingrédients qu'il aime. Et no prise de tête comme dirait Laurent Wolf. No stress. Non mais je rêve. Hier, je vous invite chez moi, Ultia, tu fais un plat de pâtes. Oui, bah oui. Je vais te faire ça tout de suite, tiens. Après, les pâtes au F, ça carie quand il y a un grand groupe. Ouais, mais c'est du boulot quand même, hein. Ça carie les pâtes au four, c'est vrai. Mais c'est du boulot quand même. C'est du boulot, faut que ça soit bon. Moi, je les fais pas à l'arrache. Donc, tu travailles hein, quand même en vrai. Hmm. Tu sais, tu passes toute la soirée en cuisine, il y a tout le monde qui fait la best life dans le salon, et toi, t'es alone en cuisine. La best life, Ah, tiens, il y a une cuisine ici, je sens la prochaine énigme. L'ultime devinette dont la réponse, tu devras trouver cuisiner et manger ce que tu as fait pousser. Bon, je pense que jusque-là, ça devrait le faire. Donc, je vais faire une tomate, une carotte et du blé. Des pâtes végé. Ça me donne trop envie. Et du coup... Bah, c'est pas ça. Cuisiner et manger. Ok. Tout le monde sur MK ou Smash, Ultia sur Cooking Mom. Quand je ramène des trucs en soirée, je fais souvent de la focaccia avec plusieurs garnitures différentes. Y a rien à faire à part laisser lever et je suis sûre de caler tout le monde. Ouais, trop bien les focaccia. J'en ai jamais fait, mais genre la dernière fois on est allé manger chez Asrodel, il avait fait une focaccia, c'était très bon. Ah non, mon stock est plein. Ah non. Best life. C'est quoi? Une veste en jean à écusson Mickey. Et ça, c'est quoi? Si tu achènes les graines de okra que tu plantes en mode ferme méga vénère pour ensuite cueillir, revendre, égale XP qui augmente et tu te fais des sous. Ok. Un livre de recettes. Ah, trop bien. Je vais débloquer des nouvelles recettes, du coup. Par définition. Bien vu Sherlock. J'ai appris une nouvelle langue, très facile à apprendre et il est possible d'exprimer des idées compliquées si vite. Je vais l'utiliser pour tenir mon journal. Ah, l'Atlante. Ça c'est quoi? Une dernière chose avant d'y aller, l'orbe qui se trouve en dessous, tu dois récupérer. J'ai mon inventaire qui est plein, donc ils vont me dire genre que c'est mort. Même pas un livre de recettes Ratus, c'est naze.
être marrant, ça, j'ai pas... Bon, ben, je vais laisser ma pierre ici, hein, du coup. De toute façon, j'ai pas assez de... À moins que je fasse ça. Manger le blé et récupérer ça. Comment t'as fait les crudités pour le pique-nique de Mickey? Tu mets une carotte, Luna. Dans la casserole. Tu sais, si tu vas dans collection et dans plat, tu trouves les recettes. Genre là, tu vas dans crudité et tu vois qu'en bas, il faut un légume pour faire les crudités. Salut, Foliax. Ouais! Ah, c'est bon, Ursula va pouvoir venir maintenant. J'ai juste... vendre des trucs. Non, Ultia, ça donne les ingrédients des recettes qu'une fois que tu les as faites pour la première fois. Ben, non. Parce que, genre là, par exemple, tu vas dans plat. Et genre, les frites, je les ai jamais faites. Mais du coup, au moins, ça te donne deux ingrédients, tu vois. Genre, du coup, ben, genre, crudité, un ingrédient, bon... Tu te dis quand même que c'est genre un légume qu'il faut que tu mettes pour l'avoir, quoi. Après, pareil, tu vois, asperge rôti, tu te doutes bien qu'il y a asperge d'un côté et de l'autre. Bon, bah, je sais pas, tu avises. Genre là, tu vois frites, il doit y avoir pommes de terre et autre chose. Enfin, tu vois, tu fais par esprit de déduction, quoi. Mais oui, complètement. Content de te voir. Mais oui, évidemment, il faut l'avoir fait une première fois. Merci à plus. Vas-y, on va voir Ursula. Space life. Asperge rôti, taboulé plus bœuf bourguignon. Ursula! Ah, c'est toi! Fabuleux! Bon retour, ange des mers! Je vois que tu as respecté ta part du marché. Un marché est un marché. Je vais te révéler un petit secret sur l'oubli. Tout le monde parle de l'oubli comme d'un funeste incident, comme une prolifération d'algues dans l'océan. Mais l'oubli est bien plus qu'un accident passager dans l'histoire de notre village. L'oubli est causé par une entité. L'oubli est qui est aussi réel que toi et moi. Et l'oubli est encore ici à maudire le village. Ah bon, mais comment arrêter l'oubli? Ça, c'est une bonne question. Si on veut arrêter l'oublier, tu devras réparer les piliers. Eux seuls pourront protéger le village des malédictions de l'oublier. Maintenant, cours le dire à qui tu veux, mais fais attention. On ne sait jamais qui pourrait écouter. Au revoir. Oh, ça veut dire qu'il y a un intrus. Dire à Merlin que Ursula est libre. Bah tiens. Tiens, tu as remis l'orbe du pouvoir à la place qui était la sienne. Oui, et d'ailleurs, je t'ai embarqué avec moi parce que j'en ai marre de faire tout toute seule. Je vais voir Peter Pan dans ce jeu, mon perso de fiction préf avant que je découvre Pokémon vers mes 8-9 ans. Ah oui, trop le boss Peter Pan. Mais bon, il a des délires un peu chelous quand même. Hein. Tu as fait des choses merveilleuses pour ce village, mais je suppose que la sorcière... D'ailleurs, dès le début, j'avais tilt... Enfin, tu sais, Peter Pan, même quand j'étais petite, son comportement, il me gênait parfois. Tu sais, genre ce qu'il fait avec les enfants perdus et tout, t'es en mode, mais Peter Pan, t'es bizarre. Ouais, Disney Dreamlight Valley dispo sur Switch, ouais. Même enfant, j'étais en mode, mais il est chelou. Même son comportement avec Wendy et avec la fée Clochette et tout, il est weird quand même. Je suppose, mais bon. Je suppose que la sorcière des mers est libre maintenant, une conséquence plutôt fâcheuse. C'était le seul moyen. C'est bien vrai, l'oubli est une menace beaucoup plus grande qu'elle ne le sera jamais. Et si c'est l'oubli qui l'avait emprisonnée, tu as bien fait de la libérer.
Fais juste attention, Ultia et Ursula fera tout pour augmenter son pouvoir. Je suis sûre qu'elle voit le pouvoir en toi. Mais attends, si je lui donne une carotte, il passe niveau 5. Voilà. Merci, cher ami. Mais de rien. Mon enfant s'est-elle brisée à l'instant, peut-être? Non, mais... T'inquiète. Oh, la belle petite étagère. J'aime bien les meubles que donne Merlin. Eh bien, voyez qui est là pour me rendre visite après m'avoir libérée de cette horrible grotte. Hélas, rien dans la vallée n'est comparable à ma maison dans le palais de Triton, ou mon petit jardin des âmes. Un tel confort n'est plus qu'un rêve maintenant. À moins que tu m'aides, je peux t'offrir... une maison moyenne en paiement? Il semble que tu ne sois pas la bonne poire que je croyais. Très bien, tu veux nager dans le grand bain? Passons à marcher. Obtiens-moi une maison sur la plage et fais une commission pour moi et je te donnerai exactement ce que tu mérites. Alors, affaire conclue. Place la maison d'Ursula dans l'eau. Cassos m'ont déjà fait un... Oh, elle est là! J'adore, je l'adore Ursula. Oula, 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 oula. Ok. Je pense qu'on va un peu l'exiler parce que ça reste une méchante quand même. Genre là, on a mis la maison de Vaiana. Là, on a mis Jean-Jacques. Maui. D'ailleurs, je pense qu'on va pouvoir le rapprocher et le mettre plus vers Vaiana. Ça ferait plus sens. Et du coup, je pense qu'on peut mettre Ursula près de la grotte. Pour que ça soit un peu logique. Ah, je l'ai mise dans le mauvais sens. Super. Cet endroit glitch un peu. De quoi? Pourquoi mon voisin Totoro, vous trouvez que c'est bizarre? Bonjour. Fais-moi confiance, c'est un bien immobilier de premier choix. 8000 pièces, j'ai absolument pas assez. Hey, eh bah écoute, Ursula, elle peut se brosser, hein, moi je vous le dis. Traverse le portail ténébreux, l'amplificateur de Dreamlight. Il me faut un bois dur pour l'amplificateur de Dreamlight. Vas-y, je vais vendre tout ce qu'il y a sur mon chemin. Peut-être que c'est une crevette, ça. Le petit renard qui patoune dans l'eau. Vas-y, c'est quoi? Ah. Pas du tout ce que je cherche. Ah ouais, il a raison, Maui. Maintenant, il y a plein de cocotiers qui poussent sur la plage. Trop bien. Salut! Vas-y, je suis chaude d'aller voir, de prendre le bateau, d'aller voir la personne qui est derrière, enfin qui est en mer là. Oh, les crevettes, c'est pas pour demain. On en a encore jamais croisé, peut-être là. Ouais, c'est pas assez loin. Peut-être là. Alors peut-être la crevette. Devine où j'ai encore retrouvé Vaiana, je sais pas.
pas du tout une crevette. Le bateau. Oh, bonjour. Voilà quelqu'un. Je suis coincée ici toute seule depuis si longtemps. J'ai cru que je ne reverrais jamais personne. Peux-tu m'aider? Je vais t'aider. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh oui. Je vivais dans une magnifique vallée et c'était le plus merveilleux des endroits. Jusqu'à ce que survienne une chose appelée l'oubli. Des épines nocturnes se sont mises à pousser dans le village et plein de gens ont perdu leurs souvenirs. C'était horrible. Mais ensuite, tout d'un coup, je me suis retrouvée ici comme par magie. Je n'ai vu personne depuis si longtemps. J'ai essayé de regagner la vallée. Mais je ne trouve pas le chemin du retour. Je vais t'aider. Une sirène qui n'a pas le sens d'orientation, bizarre. Merci, j'ai bien tenté de rentrer à la maison, mais qu'importe la direction dans laquelle je nage, je me retrouve toujours à nouveau sur cette île. Ah ! Ben vas-y, grimpe. Si je monte à bord de ton radeau, je crains que tu reviennes inévitablement à ton point de départ, toi aussi. Il y a quelque chose qui me retient sur cette île. Je crois qu'il s'agit d'un enchantement. Si je pouvais sentir la présence de la vallée, je saurais dans quelle direction nager. Les sirènes et les tritons trouvent toujours le chemin de chez eux, mais je n'ai même plus le sentiment que la vallée est chez moi. Peut-être que si je créais un endroit où tu te sentirais chez toi dans la vallée, tu pourrais le déceler. C'est parfait. Est-ce qu'il pourrait se trouver dans l'eau? Non mais ça va. Juste au large de la plage. Comme ça, je sais que je pourrais rentrer à la maison en nageant. J'ai failli oublier de me présenter. Je m'appelle Ariel. Tu me dis quelque chose? Est-ce qu'on s'est déjà rencontrés? Non, je crois pas. Mais ça me fait plaisir de t'aider. Je vais te préparer cette maison dès que possible. Ça me fait plaisir... Ok, je répète la phrase. Reviens vite me voir. D'accord. Ouais. Je vais tout revendre. Trop belle, Ariel. Oui, on adore. On va lui construire son chez-soi, du coup. Je vais peut-être l'installer avant d'installer Ursula. Oh, le château aquatique! J'adore. Juste, on la met où, en fait? C'est quoi tous ces personnages qui sont dans la mer? Franchement, il y en a trop, là. Vas-y, je peux la mettre près d'Ursula pour foutre la merde. Non, parce que là, c'est chez Maui et Vaiana, en fait, donc... Après, je peux aussi la mettre là, quoi. Ça fait un peu loin, c'est un peu dommage. Salut la Borue. Vas-y, on fout la merde. D'ailleurs, c'est ça que je voulais faire. Moi, je voulais mettre Maui en face de Vaiana. Mardi, ils ont jeté une monture Reine Ratus sur FF14, c'est littéralement toi. Ah ouais? Je sais pas si on m'a déjà identifié dessus. Il y a tellement de trucs à faire. Elle s'appelle Silky si tu veux jeter un œil. Ok, c'est dans la boutique du coup, j'imagine. Bon, vas-y, je vais faire un peu de tri. Ah, c'est un drop donjon? D'accord, énorme. Ah, j'ai plus d'énergie. Bon, vas-y, je vais construire la maison d'Ariel. Je crois que je dois avoir assez, en vrai.
Salut Jess. Ah, c'est pas un drop donjon? Bah alors je... Bonjour. Vas-y. Oh, pog, 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 pog. Waouh. Que dirais-tu d'une petite conversation? Super! Elle est dans le puits! Ah! Ah! Je peux pas trop faire le cadrage comme il faut là. Ah voilà. Avec Ariel. Ariel dans le puits. Allez, voilà ta nouvelle maison. Partir là-bas. Lucas, tu l'avais déjà vu, t'avais déjà répondu. Ah bah oui, d'accord, on est d'accord. Non mais je sais pas, vu le message, j'avais l'impression que c'était nouveau. Mais si, si, complètement, je m'en rappelle bien. Mais à lire le message, j'avais l'impression que c'était nouveau, excuse-moi. Dans un autre monde. Lilo m'embête, je peux la re-théo? Non, ça suffit. Hop. Dame. C'est toi qui n'assume pas ma supériorité en tant que morue royale croustillante suspecte. Alors, c'est infini ce jeu, c'est terrible. Ariel. Ah, mais Ursula, elle est là au bayou de la confiance. Attends, parce qu'il me faut un bois dur aussi. Ouais, les bayoki, c'est pas les gâteaux dont je parle souvent. Les gâteaux dont je parle souvent, c'est les pandistel. Mais les bayoki sont très bons aussi. Hein. Est-ce qu'il y a genre un bois dur, s'il vous plaît? Genre ça. Ok, c'est bon. Que demande le peuple? Du coup, je vais me mettre là. Et je vais faire le truc pour Mickey. Salut raton laveur de carreaux, je suis trop heureuse, je sors de ma dédicace de la fougère et le bambou avec des ratus. J'ai même eu une dédicace avec un petit ratus que j'ai partagé sur le Discord. Attends, la fougère et le bambou, c'est un livre avec des ratus, c'est ça? Attends, je vais aller voir. De Jérémy Payet. Ah oui, ça a l'air incroyable! Oui, ça a l'air incroyable. Vas-y, j'ai trop hâte. J'irai voir sur le Discord. Voilà, l'amplificateur de Dreamlight pour Mickey. Comme ça, ça va me débarrasser mon inventaire aussi. Mickey. Ah, Mickey. Où il est? Mickey.
Mais elle est là, Ariel, elle est à la forêt du courage. Lutia, j'ai découvert la pâte à tartiner panne distel. Ouais, c'est vraiment pas mal. Après, c'est vrai que c'est sucré quand même. Hein. Ariel, j'aimerais te parler, mais qu'est-ce que tu fous là? Ça, c'est pas très ratus. Bah oui, mais je peux pas. Merci Link to the Post pour le 16e mois. Merci beaucoup. Bon, ben t'as intérêt à décaler parce que là, je peux pas te parler en fait. Tu t'es sûr de vouloir rester dans cette vieille rivière dégueulasse quand tu as un superbe océan et une plage? Mais ok. J'espère qu'elle va bouger du coup. Qu'est-ce qu'il y a, Maui? Hey, qu'est-ce qui t'a pris si longtemps? J'ai vu quelque chose de coincé dans l'un d'eux, tu veux que je te montre? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Suis-moi. Alors là, tu m'as. Suis Maui à la plage enchantée. Oh, mais il y a tellement de trucs à faire. Vas-y, je vais voir Mickey d'abord pour Minnie. C'est infini toutes ces quêtes. Il est où Mickey? Je pensais qu'il était là. Lance ta canne à pêche à côté, elle devrait se déplacer. Ah! D'accord. Bah. Mickey? Ah! Salut mon ami! C'est fait, sapristi, allons trouver Minnie pour voir si ça marche. On se revoit vite! Trouve Minnie dans le village. Bah, elle est là. Minnie, t'as arrêté de disparaître, l'amplificateur fonctionne. Ouais, il y a quand même un petit problème, mais ouais. Merci Mister Didi pour les 2 ans d'abonnement, merci beaucoup. Tu as raison, je suis là. Oh, que je suis fatiguée, je ne me sens vraiment pas moi-même. C'est un peu comme s'il me manquait un ancrage, quelque chose qui me ramènerait pour de bon. J'ai l'impression d'avoir erré pendant des siècles. Je ne me suis jamais sentie aussi fatiguée. Seulement, je pouvais m'allonger. Où est ma... Je crois que j'avais... une maison avec un lit dedans. Un lit moelleux, tu penses que tu pourrais ramener ma maison? Putain, tout le monde veut sa baraque en fait. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, tiens. Salut. Minnie a l'air si fatiguée. On doit ramener sa maison, mais elle a disparu il y a un moment. Je parie que tu peux utiliser ta magie pour ramener la maison de Minnie. Bah, ils habitent pas ensemble? C'est une jolie maison rose avec des cœurs sur les fenêtres. À très bientôt. Putain, vous pouvez pas habiter dans la même maison, ça me faciliterait la vie en fait. Oh, elle est trop mignonne la maison de Minnie par contre. Vous l'avez mise où vous? Là? Ça peut être bien, non? Pas trop proche de Mickey non plus, comme ça s'il s'engueule, on pourra toujours trouver une solution. Salutations voisin. C'est 5000 balles. Allez. Hey, on fera ça plus tard. J'ai une question pour toi. Qu'est-ce qu'il y a? Faudrait que je farme encore un peu les sous. Parce que là, entre la maison de Ursula, la maison de Minnie, la maison d'Ariel que je viens de payer, tout le monde veut sa baraque, en fait. Elle est où, Ariel? Elle est là. Je suis agent immobilière, ici. Hein. En plus, il y a encore la quête de Christophe, en fait. Mais il faut que je fasse les quêtes d'amitié, hein. Parce que, genre, sinon je vais me laisser trop encombrer. C'est ouf toutes les quêtes qu'il y a en vrai. Toujours pas trouvé les crevettes en plus. Salut Lilo. Enfin, merci Lilo, pardon, pour le subgift à Moru. Moru d'eau douce, bien sûr.
Merci beaucoup, Lilo. Oh. Vas-y, je vais parler à Ariel. Elle est où? Ok. Je ramasse des trucs, comme ça, je pourrais les vendre. Tu veux savoir pour les crevettes? Est-ce que c'est dans l'eau ou est-ce qu'il faut les attraper avec les trucs de Maui? Je suis si heureuse d'être de retour. Je suis impatiente de revoir Eric. Où est-il? C'est qui, Eric? Je vais faire exprès. C'est un prince et un humain. Et la personne la plus merveilleuse que tu puisses rencontrer. Oui, c'est dans l'eau. Oui, bon. Oui, mais il faut pêcher, Griffus Tigron. Ou il faut poser les trucs de... les pièges, là. Il faut que je demande à tout le monde si quelqu'un sait où il est parti. Merci pour ton aide, Ultia. Oh là, on a un problème, là. Bonjour. Vous êtes copine maintenant? Gênant. Si le cringe avait un visage. Depuis quand elles sont potes? Ça se passe bien la cohabitation? Bon, ça a l'air d'aller. Ariel est sans voix, bien sûr. Qu'est-ce qu'elle me dit du coup? Ok, ça va. Ariel n'a pas de quête à me faire débloquer. Bonjour. Tu veux quelque chose? Spaghetti à l'arrabbiata, capucine ou des impatientes? Ah, je lui ai donné un caillou. Bah, je suis vraiment désolée, Ariel, de t'avoir donné un caillou, J-Pep. Allons voir ta maison. On se revoit très... J'ai pas fait exprès. Mais arrête de me suivre, Merlin, c'est vraiment embarrassant, en fait. C'est ça, la maison d'Ariel? Oh, regardez. Trop stylé. Y a pas de chest, par contre. La musique. C'est des gadgets, des trucs chocs, des trucs chouettes. Bientôt, Scar et Mufasa vous mangez de la bouillabaisse au KLM. Bon allez, quand faut y aller, faut y aller. Quelle heure il est là? Oh là là! À l'aide, faut que j'aille faire les courses, donc Donc, est-ce que c'est là qu'il faut que j'attrape les crevettes ou est-ce qu'il faut mettre les leurres de Maui, du coup? Salut, Guillaume. Non, mais vous êtes en train de me dire que Ariel, elle se TP de lac en lac et d'étang en étang, en fait. Donc là, Ariel, elle est dans l'étang. Ah, dis donc. Du coup, je l'imagine se traîner sur le sol, là. Oui, ok. Alors, attends, vas-y. Les leurres, c'est que pour la quête, ça sert plus. Ah! Là, c'est que des algues. Genre, là, je peux trouver une crevette. Ici, genre. Ah, c'est un loutre rare, donc c'est bleu. Ok, bon, c'est déjà un indice. Y a pas de loot rare. Ah si, là-bas, y'en a un. Content de te voir. À plus tard. Plus tard. Combien j'ai de sous, là?
4530. Ah ouais, pas besoin du bleu pour toi, Luziae ? Oui, un poisson là. On va nulle part en battant des nageoires. Ça se trouve, j'invente des paroles depuis tout à l'heure parce que franchement, s'il y a bien un dessin animé dont je connais pas trop les musiques, c'est La Petite Sirène. Ça veut pas dire que j'aime pas, mais je pense que j'ai dû moins le regarder quand j'étais petite en cassette. En fait, j'ai beaucoup regardé La Petite Sirène 2, paradoxalement en fait, par rapport au 1. Merde. Oh là là, j'arriverai jamais à trouver ces crevettes. Il est où Maui d'ailleurs? De l'autre côté. Salut Kat! Au-delà des musiques, je me souviens plus du tout du film. Ah ouais, c'est vrai? Je m'en souviens un peu. Du farm, du bol et du farm, je me doute. Ça m'a donné envie de faire un marathon film Disney. Bah tiens, la dernière fois, j'en avais profité pour regarder Le Bossu de Notre-Dame, que j'avais vraiment pas regardé depuis très longtemps. Bah c'était très cool. Merde, je suis en train de mettre de l'eau partout chez moi, là. Regardez. Bon, ça, c'est la lampe Ariel que j'ai achetée la dernière fois. Mais en fait, aujourd'hui, j'ai trouvé ça. Merde. Tadam ! Assorti à mon pieu. Trop cool, hein ? De la Belle et la Bête. Ah, tu préfères les DreamWorks, Kat ? Ouais, moi j'ai vraiment été bercée au Disney. Enfin, de toute façon, j'aime tous les dessins animés, hein, mais... Elle est encore dans le petit bassin, là. Rien que pour Dragon. Dragon est cool, en vrai. Hein. Le cadre château de Walt Disney World, c'est dans le pack ultime. Pff, je sais plus exactement, je crois, ouais. Hey, donne-moi un coup de main. Tu vois, quelque chose est coincé dans les débris de la tempête. Je peux rendre ta pioche plus solide pour pouvoir casser ces trucs aussi, mais d'abord, je vais avoir besoin de certaines choses. Ah, ça va me servir de fou, ça. Ils sont dans un panier à côté de mon bateau sur l'île où on s'est rencontrés. Tu prends ces trucs et tu me les apportes et on est prêt à partir. Ah, vas-y, j'ai trop hâte qu'ils me donnent la pioche plus solide. Comme ça, je pourrais enfin casser le truc qui m'empêche de prendre le pont, là. Trop bien. Bon, allez. Quand faut y aller, faut y aller. Bon, on va juste chercher ce qu'il a dit d'aller chercher, c'est tout. C'est une quête facile, il n'y a pas de truc à farmer et tout. Moi, juste, on va là. Dans son bateau. Et il a dit qu'il y avait des trucs. Voilà. Non, mais je veux les moules aussi. Ah, voilà. Rester fidèle à ma terre. Le vent éphémère.
dire à Lutik, c'est nous qui devons retarder. Ouais, voilà. J'ai beau dire, je reste. En plus, elle nous lit pas. Elle nous lit plus pour ne pas voir qu'on se moque. Arrêtez! Vous savez, on peut avoir les vers et la terre enrichie. Alors, les vers, il faut creuser autour des bassins dans la plaine, là. Donc, genre... là, en gros, dans la prairie. Et la terre enrichie, c'est quand t'as fait des cultures et que tu les récoltes, il y a une chance que ça proc de la terre enrichie. Voilà. En gros. Merci pour cette journée stream, Mario Rabbit, Disney Dreamlight. Je suis ravie de travailler et t'avoir en fond comme compagnie. Bah merci, c'est gentil. Mais tout à l'heure, j'étais sur Splatoon. C'est hier que j'étais sur Disney, Mario plus Rabbit. Mais bon, je sais que les jours passent et se ressemblent. Je continuerai à jouer un peu en off pour farmer des sous, des trucs comme ça. Je pense que ça s'y prête pas mal, hey, en vrai. Qu'est-ce qui t'a pris si longtemps? Qu'est-ce qu'il veut? Il veut un truc à manger? Alors là, tu m'as pris. Cuisine un repas frais 5 étoiles. Ouais, mais regardez, la cuisine, en vrai, elle est juste là. Ça fait que 2? Je pensais que ça faisait 5 étoiles. Bon, vas-y, on fera la prochaine fois, du coup. C'était un signe. C'était un signe pour dire qu'il fallait que, je m'arrête ici. Très bien. Du coup, la prochaine fois... Donc là, lui, il voulait un plat 5 étoiles. Il faudra traverser le portail ténébreux. Il y aura les deux crevettes pour Dingo à attraper. Le plat 5 étoiles pour Maui. Le panneau de Picsou pour payer la construction de la maison de Minnie. Puis, la maison d'Ursula. D'ailleurs, je suis à 4530, donc je pense que de toute façon, je peux faire ni l'un ni l'autre. Comment ça va? À plus. Non mais en vrai, la maison de Minnie, elle est juste là et il fallait juste que je vende ça pour avoir les 5000. Elle est juste ici. Salutations voisin. Aïe. La maison de Minnie. J'ai une mission pour toi. Picsou est parti. Va parler à Minnie. Attends, il y a quoi chez elle? Ça a l'air bon en vrai, non? Il a une mission pour toi. Non, mais on peut pas aller le voir. Bon, l'intérieur est plus décevant, enfin, est décevant par rapport à l'extérieur, je trouve. Oups, j'ai mis de l'eau chez elle, elle aussi. C'est quoi? Un truc à pois. Un truc à pois. Voilà. Serre-tête à oreille de mini mauve. Tadam! Le parquet va gondoler, super. J'étais déçue de voir que Minnie et Mickey vivaient pas ensemble. Bah, c'est ce que je me suis fait. Je me suis fait la réflexion aussi. Bonjour. Après, peut-être qu'ils sont souvent les uns l'un chez l'autre, tu vois. Je me sens beaucoup mieux maintenant, mais ma tête est encore un peu embrouillée. Es-tu Mickey? J'ai une gueule à être Mickey, Minnie? Non, mais t'es sérieuse? Quelle drôle de question. Minnie, c'est comme ça que je m'appelle? C'est bon à savoir? Je crois que j'ai oublié certaines choses. Oh non, mais ça va pas la tête? J'ai erré pendant si longtemps, et tout ce dont je me souviens, c'est que je cherchais Mickey. Il était très important que, je le retrouve. Ne t'en fais pas, il est ici et je dois aller lui parler. Au revoir! Je t'adore, ne l'oublie pas! Hé, salut! Nous avons ramené Minnie, mais elle ne sait pas où elle est ni qui elle est.
Je vais passer du temps avec elle et voir si je peux lui faire retrouver sa mémoire. Je pourrais peut-être parler à Merlin aussi. Merci pour ton aide, ton amitié est inestimable. Voilà! C'est bon, on s'arrête, ça suffit, stop! J'ai fini la quête, c'est très bien. Ça suffit. Allez! Mini a perdu la boule, la pauvre. On a fait beaucoup de quêtes en vrai. Ah, mais dernière sauvegarde, il y a 5 minutes en fait. Vas-y, c'est bon, j'ai fait la save. Picsou a une quête. Non! Non! Faut que je... Non. Faut qu'au bout d'un moment, quand faut y aller, faut y aller. J'avais mis le live à 13h exprès, justement, pour pas finir trop tard en plus.